Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec le foudre de Zeus. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver la foudre de Zeus qui se trouve soit dans des coffres comme je viens d'ouvrir par exemple, ou alors posée au sol comme ça sur Fortnite, ou en éliminant des adversaires. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi obtenir ce pouvoir en allant ici au Mont Olympe. À cet emplacement-là, vous défiez Zeus tout simplement, et si vous arrivez à le tuer, ben là vous allez pouvoir obtenir son pouvoir. Alors ce qu'il faut savoir avec ce pouvoir, c'est que vous pouvez l'utiliser 3 fois et ensuite il va se recharger. Donc regardez, hop, je l'ai utilisé, voilà. Et là, je vais devoir attendre 8 ou 7 secondes, je sais plus, pour pouvoir utiliser la deuxième charge. Mais je pensais que ça allait se recharger, mais en fait non, ça ne se recharge pas du tout. Vous n'avez que 3 charges maximum par item. Donc dès que vous trouvez le pouvoir de Zeus, vous ne pouvez l'utiliser que 3 fois. Après, il ne se recharge pas du tout. Vous avez juste un temps de recharge entre chaque utilisation. Donc pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est de trouver un adversaire ou alors un bot, hein, ça fonctionne aussi avec les bots, et ensuite lui infliger des dégâts. Donc là, regardez, je vois qu'il y a un adversaire. On va essayer de lui infliger des dégâts. Hop. Donc là, j'ai réussi. Et dès que vous aurez réussi à infliger des dégâts aux adversaires avec le pouvoir de Zeus, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.